Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui les caractéristiques d'un MOOC. Nous aborderons sa définition, son organisation, son modèle économique et tous les points de vigilance à observer lors de la création d'un MOOC. MOOC est un acronyme qui signifie Massive. Pour une participation importante d'apprenants, il n'y a pas de restriction d'âge, de niveau d'études ni de profession. Donc, le MOOC est à destination d'un grand public. Open pour ouvert à tout le monde sans sélection. Online, accessible exclusivement en ligne. Et course, pour des cours en ligne organisés dans des parcours pédagogiques. En bref, un MOOC, ce sont des cours en ligne ouverts et massifs. Et voyons maintenant le principe d'un MOOC. Un MOOC a une durée de formation précise. Il a une date de début, une date de fin, et il dure en moyenne entre 5 et 7 semaines. L'apprenant, il est guidé par un scénario pédagogique et il s'investit de 2 à 4 heures par semaine. Il consulte à son rythme différents médias, tels que des blogs, des vidéos et des PDF. Il effectue des évaluations sous forme de quiz ou des travaux pratiques à remettre en ligne. Il échange avec la communauté du MOOC, avec des forums et le chat. L'apprenant est accompagné par des interactions en mode synchrone via la classe virtuelle. Avec un MOOC, l'apprenant fait partie d'une communauté apprenante. Avec les MOOC, nous sommes dans un modèle économique inversé. En effet, l'inscription est gratuite, cependant, la certification est payante. De plus, le MOOC peut proposer d'autres services payants, dits premium, comme l'accès au tutorat ou l'accès à des ressources pédagogiques. Alors, voyons maintenant les qualités d'un bon MOOC. Alors pour moi, un MOOC, il doit répondre en priorité à mon besoin de formation. C'est un dispositif pédagogique scénarisé avec du contenu pédagogique de qualité. Il veut contenir des phases d'auto-évaluation avec des espaces d'interaction tels que des forums, classes virtuelles et chats. Il veut disposer d'une équipe pédagogique dynamique, proposer des travaux pratiques et sans oublier de la validation sous forme de badge ou de certification. On constate dans le MOOC un taux d'abandon assez élevé, et ceci à cause de différents facteurs. Le manque de tutorat et d'accompagnement, c'est important et l'équipe d'animation du MOOC doit en tenir compte. Le manque d'interactivité dans les modules proposés en ligne. La qualité des médias n'est pas au rendez-vous. Et si le MOOC ne propose pas de validation sous forme de certification ou de badge. Cette vidéo sur les MOOC est maintenant terminée. Je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur leur innovation pédagogique.